Bonjour, bienvenue ce lundi 4 mai 2020 pour le café matinal des marchés financiers. Nous allons parler essentiellement de Warren Buffett qui a tenu son assemblée annuelle samedi dernier. Nous commençons par les marchés asiatiques extrêmement secoués par les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Le Nikkei est à moins 3% ce matin, le Hang Seng moins 4%, le Nifty 50 en Inde également moins 4%. Justement, en Inde, Narendra Modi a exhorté son gouvernement et sa population à convertir la crise en opportunité. Et l'Uttar Pradesh, la province du Nord, a organisé un webinaire avec de très grandes entreprises américaines qui sont intéressées par investir en Inde. Warren Buffett a tenu son assemblée annuelle samedi dernier et continue à 89 ans à prodiguer de très sages conseils. Le premier que nous retenons est d'éviter d'utiliser des cartes de crédit dont les taux d'intérêt sont très élevés par rapport aux prêts traditionnels. Deuxièmement, de ne jamais parier contre les États-Unis car la structure politique, économique et financière des États-Unis est propice à une croissance à long terme. Et enfin, compte tenu des taux d'intérêt à 30 ans sur les bons du Trésor américain qui sont actuellement de 1,2%, Warren Buffett considère qu'il est raisonnable d'investir en actions car sur le long terme, sans aucun doute, le retour sur investissement devrait dépasser 1,2%. Je vous remercie, très bonne journée, à bientôt.